encore près d'y entrer. Mais si tu vas jusqu'à la station de pompage de l'allée des sirènes et que tu vides l'endroit, tu pourras rentrer par ce sas. Oh, j'ai récupéré 10 d'Adam, comme ça, gratos. Je sais pas si vraiment 10 comme ça va changer quelque chose, mais... Voilà. Je sais plus. Ça se fait tout seul ou... Ah, non. Ok. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille! Montrons-lui ce qu'on sait faire, messieurs! J'ai 3 points durs! Ah! Oh, c'est mignon! Qu'elle lui dise, si t'avances pas, c'est moi qui te porte! Alors que, bah, si on regarde en soi, je vois pas comment elle pourrait le porter, quoi. Ok. Alors, là, j'ai vu. Une seringue. Ah, ils arrivent, ok. Oh. Oh, c'est quoi ça? Un saint pistolet d'Adam, ok. Une conserve de haricots. Ok, je visite déjà en premier. Ok. Oh, j'ai vu. Ok. Là. Le démon de Ryan est en vie. J'en appelle à toute la famille. Jésus, Marie-Joseph. Je crois que c'était le père Simon Wales en personne. Ah. Lui et son frère Daniel étaient les architectes en chef de Rapture. Quand Sophia Lamb est montée sur le trône... Oh, acheter des améliorations, Dev. Ok. J'ai 10. Champ électrique... Antisécurité. Simon s'est fait curer. Il a une sorte de... d'église à lui, près de la station de pompage. Attention, tu peux t'attendre à un comité d'accueil hargneux là-bas. Ok. Allez, tue, monsieur B. Nos anges vont se réveiller. Ok. Pour l'instant, on va laisser le protecteur avec la petite fille. Je vais déjà m'occuper de tout le monde. Et sinon, je vais te porter moi-même. Ok, alors, on regarde à l'intérieur déjà. Ok, du calibre. Ah, une madame pendue. Il veut vraiment que j'utilise la foreuse, en fait. Ok. Je suis en train de réfléchir en plus à une solution pour taper le protecteur sans que ça me soit défavorable. Donc en fait, je pensais, je me mets en hauteur là,
Et le protecteur, je le tire par en haut, en fait. Oh, du feu, ça fait longtemps. Oh. Fortifiant bricoleur. Quand vos équipements de sécurité prennent une balle à votre place, utilisez Dev pour remettre en état. Oh, non, on va le stocker. Ok. Mon ventre me dit. Cher journal. Oui. Maman a un nouveau système de sécurité pour m'empêcher de voir Amir et les autres enfants. Mais la sécurité, c'est juste des trucs mis bout à bout, un peu comme toi. Et maintenant, on est les meilleurs amis du monde, pas vrai? Ok. Amir a un gros livre qui parle de la surface. On y trouve tout. L'Inde, l'Irlande, tout, je te dis. Bon, d'accord, journal, je vais bien te le dire. Je trouve qu'Amir est beau pour un cannibale. Oh non, voilà quelqu'un. Eleanor, reviens ici tout de suite. Oh. Piraté. Ok. Donc, alors, ma solution, ouais, c'est ça, c'est du feu, du gros plomb, j'essaye de monter en hauteur, et espérons que ça passe, quoi. Et où? Je l'entends, hein. Je trouve qu'il a une voix de baleine. Mais il est où? Bah, il est parti où? Ok, il avait rentré la petite fille. Y a quelqu'un? Tu vois, c'est pas après ta petite fille que j'en ai. Ok. Prêt? Vas-y, retourne-toi, vas-y, tranquille. Ah merde! J'étais concentré sur les balles et puis Ok. J'arrive. Je
Bah allez, viens, ma petite. Voilà. Allez, viens. C'est moi, ton nouveau papa. C'est quoi, des balles perforantes? Mince. C'est dans quoi, les balles perforantes? Ça doit être là-dedans. Calibre. Oh, j'ai des balles perforantes. C'est nouveau, ça. Ouais. On y va, on y va. Ah bah, c'est là. Vas-y, récolte de la dent. Ok. On va reprendre de l'hypnose pour qu'ils se tapent entre eux. Voilà. Ok. Ah. Oh. Ok. Allez, viens. Ils vont s'entretuer. C'est bon ? Conservation ! L'instant de conservation ! J'aurais pas dit de quoi, portefeuille ! Ok. Non mais... Par ici. Ok. On a trouvé la dent, monsieur P. Oui, on a trouvé la dent. Les gens se souviennent de maman. Je sais, maman. Je suis très sage, monsieur P. Je vois ça, ma petite. C'est bon ? Vous avez fini vos conneries ? Et voilà. Ça veut dire qu'on est heureux ensemble.
Oh. Non mais... Ok. Alors, vu qu'ils se sont tous entretués, c'est un pouvoir qui est pas mal quand même, hein. Ok. J'ai plus qu'à remonter là où qu'il y avait le sofa. Le sofa. Là, sa boîte à petite fille. Sauvé. Voilà. Voilà. Hop. Merci. De rien, ma petite. Tu n'es pas seule, papa. Oui. Les filles que tu as sauvées sont avec toi. Elles ont laissé quelque chose pour toi au jardin des glaneuses. Cool. Ouh, ça va? Faut t'aider ou c'est bon? Ok. Alors, faudrait que j'achète du soin. Oh. Enfin, je dis acheter, mais je viens d'en trouver deux, quoi. Alors, le jardin des glaneuses, c'est où? C'est où et c'est quoi, surtout? Je sais plus c'est quoi. Oh, félicitations, vous avez trouvé votre première récompense, fillette, pour avoir sauvé... Attends. Félicitations, vous avez trouvé la première récompense des fillettes pour avoir sauvé les petites sœurs. Oh, c'est quoi? Ah, ok. Ils m'ont donné un truc. Oh, c'est quoi un nounours? Oh, amélioration génétique. Bah, la santé. Lève. Fortifiant. Ivrogne. Fortifiant. Réparer les tourelles et robots alliés en interagissant avec eux. Ouais. Ok. Ah oui, ils m'ont filé pas mal de trucs. Non. Ah. Fortifiant, heureux parents. Avec bienheureux parents, optimisez le temps passé avec votre petite sœur. Toutes celles qui travaillent pour vous récoltent régulièrement plus d'attentes sur chaque canapé. Oh, ça, peut-être à la place d'ivrogne. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah bah, je peux en racheter un. Et puis mettre Saint-Bernard. Éclaireur, non. Cage à vortex. Nuée d'insectes. Fortune noire. Champ électrique. Cœur de machine, court-circuit, réducteur. J'aime bien le truc des abeilles, mais je suis pas sûr d'avoir assez en fait. Ok, les abeilles c'est bien. Invoquer une nuée d'insectes, oui. Les voir pourchasser vos ennemis est un grand spectacle. Ok. Et puis voilà. Ouais, ça c'est pour les geler. Je suis pas sûr que les geler soient forcément bien, mais... Ok, j'ai 400$. Je crois que maman est au courant. Oui. T'inquiète, t'inquiète. Balise de sécurité. Vous n'avez plus d'emplacement pour plasmide.
Vous allez devoir remplacer un plasmide. Les plasmides remplacés peuvent être rééquipés dans les génos... Ok. Nouveau plasmide, balise de sécurité. Prenez le contrôle du système de sécurité avec la balise de sécurité. Système ennemi ainsi que vos robots et tourelles suivront la boule bleue et lanceront une attaque mortelle. Non. Il a pas l'air bien celui-là en fait. Ça a l'air efficace. Merde. Ok. Je vais acheter juste un soin, un petit peu d'Ev. Ok. Ah oui, c'est vachement efficace quand même. Ah oui, quand même. Aïe. Oh. Ok, il faudrait que je rachète des aiguilles là. Ah oui, c'est 44. Attends, pourquoi je peux pas? Piratage, balle antipersonnel. Ah. Ok. Il m'en reste ou pas des aiguilles? Fléchette autopiratage. Ok, il m'en reste juste une des fléchettes d'autopiratage. Il m'en faudrait pas forcément des autopiratages, mais juste du piratage, quoi. Pas vraiment, mais... Ryan nous a perverti, mon frère. Il nous a détourné du tout-puissant. Oui. Le docteur Lamb, elle, nous offre le salut. Tout ce que je te demande, Daniel, c'est un signe de ta foi, un signe infime. Je t'ai laissé un présent à la perle rose dans ton bureau. Le code y est inscrit. Bientôt, Daniel, nous prierons pour ton âme égarée. Oh. Ok. Cher journal, maman a un nouveau système de sécurité pour m'empêcher de voir Amir et les autres enfants. Mais la sécurité, c'est juste des trucs mis bout à bout, un peu comme toi. Et maintenant, on est les meilleurs amis du monde, pas vrai? Enfin, Amir a un gros livre qui parle de la surface. On y trouve tout! L'Inde, l'Irlande, tout, je te dis! Bon, d'accord, journal, je vais bien te le dire. Je trouve qu'Amir est beau pour un cannibale. Oh non! Voilà quelqu'un! Eleanor, reviens ici tout de suite. Ah? Je l'entends. L'homme baleine. Hey, bienvenue à toi, Akiko TP.
comme l'impression okay. que je te dois la vie, étranger. Ah. Pour ce qu'elle vaut, je t'envoie une trousse de soins par pneumatique. Si tu pouvais rester discret et ne pas en parler au docteur Lamb. Ah, une petite fille. Alors, il va me falloir du feu. Il va me falloir du... comme ça. Réparer. Attends, attends, il est où? Mon robot, il est où? Ok. Allez, viens avec moi. Je vais avoir besoin d'Adam, donc il faut que je prenne une petite fille. On va reprendre les abeilles. J'entends un truc qui a pleuré. Ah, j'ai plus... enfin, j'ai plus... Anti-personnel. Ok, il me faut juste du calibre du gros, quoi. Bon, bah, lui, il est mouru. Oui, alors, la petite fille. Oh. Non, mais. Donc, oui, petite fille. Oui, oui, je vois qu'il y a de la dent. Oui, vas-y, guide-moi. Là. Oh. Ah, je connaissais pas cette zone. Pourquoi il y a des pieux? J'aime pas trop ça. Les harpons. Pourquoi il y a des harpons? Est-ce que je vais avoir un lance-harpon? Si c'est le cas, cool. Un lance-harpon. Je regarde. Une vita chambre, ok. Salut, matelot. Ça te dirait... Ah, des marshmallows. J'aurais peut-être dû les faire s'attaquer entre eux. Aïe, ça me gratte les yeux. Ça me gratte les yeux. Attends, pourquoi j'ai des harpons? Ah, j'ai un lance-harpon. Ah, j'avais pas vu. Oui, c'était ça qu'il me fallait. Bon. La Perle Rose était l'un des immeubles les plus luxueux de Rapture. Pendant la guerre, les résidents se sont retrouvés à ce point démunis qu'ils se sont vendus à son propriétaire. Si mes souvenirs sont bons, le bureau de Daniel est tout en haut. Ouais. Mais moi, il fallait que je fouille. Petite fille, c'est où? Oui. Ok, je suis. Ok, je l'ai vu. Ok, j'ai vu, c'est quoi? Donc, je vais déjà fouiller en bas. Ok. Je récupère tout ce qu'on peut récupérer, hein. Vas-y, parlez-moi. Dites-moi des trucs. C'est pas croyable, Simon. Bien sûr, il y a des fuites à Rapture. Et puis après, se tordre les mains et pleurnicher, ça va pas changer grand-chose, à part augmenter le niveau de l'eau. Rien ne dit que le défaut vienne de notre plan. Mais Simon file chez Lamb tout penaud, se lamentant parce qu'on ramasse plus aucun contrat et que de toute façon, il a toujours voulu entrer dans les ordres. Et maintenant, c'est le père Wells. Si je croise cette Sophia Lamb